Ça, c'est bien passé. Vous voulez être passé où à Chess? Bien. Au village. Hein? Au village. Vous êtes venu avec des poulets pour moi? Des poulets. Hein? Laissez-les tout manger. Ils n'ont rien laissé pour moi. Moi, je vais voyager, quoi. Je pensais venir chaud, mais c'était pas évident. Mais ça va, ça se passe bien. OK. Alors, qui est là? On fait un tour de table. C'est vous-même qui faites l'appel. Aïssatou? Aïssatou oui. Binta, tu étais parti en vacances. Très bien. OK. Hein? Cher? Tiens, ça va? Devenez-tu? Ça va? Et qui? Hein? Marie, ouais. Et qui? Hein? Alphonse. Tu fonces quand même maintenant. Hein? Ensuite? Hein? Didi Kan. OK. Quand même, ça se passe bien. Alors, vous avez équilibré votre classe, trois garçons contre trois filles. C'est bien, après, il faut une compétition. Vinta, ça va? Alors, vous avez, dans le cours d'introduction à l'économie, cerné des points essentiels. Vous allez essayer de vous mettre en synergie pour les capter. N'est-ce pas? Nous avons essayé d'abord d'introduire la science économique en disant ce qu'était la science économique. Bon, je rappelle que si on se réfère au sens étymologique, le mot économie vient du grec oika et nomos. Qu'est-ce que ça veut dire oika? Oika, c'est quoi? Maison, nomos, normes, règles, principes. Donc, au début, on disait que c'était l'administration, la gestion d'un domaine ou d'une maison. Mais d'accord. Et au fil du temps, on a fait un élargissement. Bon, parce que nous étions confrontés à une situation problématique, les besoins sont illimités. Et les moyens pour les satisfaire sont très limités. Donc ça, c'est ça qui a un peu favorisé l'émergence de l'économie en tant que science. Et du coup, vous verrez que quand on est économiste, on se spécialise dans l'analyse. Donc, comment analyser tout ça et faire de sorte que les ressources soient bien gérées, que les besoins soient pris en charge de la façon la plus efficace possible, n'est-ce pas? Donc, c'est un raisonnement. D'ailleurs, nous avons compartimenter la science économique en deux grands domaines. Quels sont les deux grands domaines? La microéconomie et la macroéconomie. Par exemple, quand vous faites en faculté, si vous faites économie, rien que ça, c'est des matières, hein? Micro, macro. Quand on parle de microéconomie, c'est quoi? C'est quoi la microéconomie? Si tu ne l'as pas lu, je te donne 20.
Donc, c'est le comportement économique des agents qui sont pris individuellement, mais on s'intéresse aussi aux internes actions. Bon, déjà, il y a combien d'agents économiques? Il y a combien d'agents économiques? Hein? Hein? Il y a combien de types d'agents économiques? Il y en a trois, c'est lesquels? Les ménages, les industries et l'État. Toi, tu seras une grande économiste, c'est bien ça. Parce que pour comprendre un coup, il faut se situer un peu dans son sens. Donc, on a trois agents économiques. Les ménages, les entreprises et l'État. Mais chaque agent économique a une fonction économique principale. C'est ça. Quelle est la fonction économique principale des ménages? Ça, c'est la consommation. Et pour les entreprises, et pour l'État, la régulation. OK? Bon, ça, ce que je vais vous donner là, même en faculté d'économie, en IFRS, sciences économiques et sociales, c'est des cours étalés qui vont de la première année à la troisième. Troisième année, un cours de microéconomie, un cours de macroéconomie, un cours d'économie domestique, un cours d'économie d'entreprise, bon, et un cours d'économie politique. Mais c'est ça que je voulais que vous essayiez de cerner un peu. Quand on parle des ménages avec comme fonction économique principale la consommation, on est dans le champ de ce qu'on appelle l'économie domestique. Économie domestique. Mais quand on est dans le champ de l'entreprise, avec comme fonction économique principale la production, c'est ça qu'on appelle l'économie d'entreprise. Par contre, quand vous êtes dans le champ de l'État, avec comme fonction économique principale la régulation, la chose qu'on appelle l'économie politique. Donc, déjà, vous avez ici trois branches. L'économie domestique, l'étude de la consommation, l'économie d'entreprise, l'étude de la production, et enfin l'économie politique. L'économie politique qui s'intéresse à la régulation. Bon, je vous donne par exemple, à titre d'exemple, prenez le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Bon, ça appréhende l'économie au niveau de l'État. Comment définir des politiques sur le plan macroéconomique, sur le plan microéconomique et comment faire pour que l'économie sénégalaise se stabilise à partir de ces grands ensembles. N'est-ce pas? Donc, tout est lié. Nous avons trois agents économiques, Marie, les ménages, les entreprises et l'État. Ça, c'est à retenir par cœur et par poumon. Chaque agent économique a une fonction économique. Quand on parle de fonction économique, c'est comme un rôle. C'est-à-dire, c'est ce qui occupe le plus. Ce qui occupe le plus parle des menaces bon, consommation et ça donne quelle branche de l'économie? L'économie domestique. Donc c'est de la microéconomie. Les entreprises avec comme fonction économique principale la production, on parle d'économie d'entreprise. Économie d'entreprise, c'est de la microéconomie. L'État, avec fonction économique principale, la régulation, ça, c'est ce qu'on appelle l'économie politique. L'économie politique, et ça aussi, c'est de la macroéconomie. C'est de la macroéconomie. Vous voyez, tout est lié, hein? Vous avez compris maintenant. Donc, il y a des champs.
Si vous connaissez le sens de l'économie, vous connaissez les méthodes d'analyse, il vous faut comprendre que l'économie se déploie à travers deux grands domaines, la microéconomie et la macroéconomie. Mais maintenant, l'étude de l'économie s'intéresse aussi aux agents économiques. Ça, même si vous n'avez rien noté, il faut le retenir par cœur. Nous avons trois agents économiques d'une part, les ménages, les entreprises et l'État. Donc, quand on appréhende l'économie au niveau des ménages, nous sommes dans l'économie domestique. C'est de la microéconomie. Au niveau des entreprises, c'est l'économie d'entreprise. C'est aussi de la microéconomie. Mais quand on est au niveau de l'État, la régulation, on est dans l'économie politique. Donc, du coup, au niveau des économistes, n'est-ce pas, on peut avoir des spécialistes. Il y a des gens qui sont spécialistes de la microéconomie, n'est-ce pas? D'autres qui sont spécialistes de la macroéconomie. Mais vous voyez des spécialistes de l'économie domestique qui n'étudient que la consommation. Vous avez aussi des spécialistes de l'économie d'entreprise. Vous avez des spécialistes de l'économie politique. Bon, maintenant, vous, en tant que technicien du développement local, qu'est-ce qui va, selon vous, le plus vous intéresser? L'économie politique, l'économie d'entreprise ou l'économie domestique? Pourquoi? Allez-y, c'est bien de réfléchir. Bon, je vais être plus précis. Vous êtes engagé dans la lutte contre la pauvreté. N'est-ce pas? Vous vous engagez dans la lutte contre la pauvreté. Bon, j'espère que vous n'accepterez pas d'être pauvre quand même. N'est-ce pas? Est-ce que... Quand on lutte contre la pauvreté, on ne doit pas être pauvre. Hein? Voilà. Si vous vous engagez dans la lutte contre la pauvreté, quelle est la branche de l'économie qui va le plus vous intéresser? Très bien, l'économie politique. Voilà pourquoi en deuxième année, vous avez un cours d'économie du développement. Donc, quand vous entendez d'économie du développement, ça ne doit pas vous surprendre, c'est un peu de l'économie politique. Pour étudier le PNB, le PIB, la répartition de la richesse, il y a plein de secteurs. N'est-ce pas? Il y a plein de secteurs. Donc, ce qui vous intéresse le plus, c'est un peu l'économie politique. Par exemple, moi, je suis spécialiste de l'économie territoriale. Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'économie politique, comment lutter contre la pauvreté, comment développer les territoires, comment lutter contre le chômage. Tout ça, c'est dans l'économie politique. Et c'est là où vous attendez le nouveau gouvernement, n'est-ce pas? La lutte contre le chômage, c'est de l'économie politique. Voilà pourquoi l'État a engagé la répartition de la richesse, la réduction du coût de la vie. C'est-à-dire, si on réduit le coût de la vie, le coût des denrées de première nécessité, ça passe par des politiques. Comprenez un peu. Bon, je pense qu'ils ont au moins trois chantiers économiques sur lesquels tout le monde attend, tout le monde est pressé. C'est ça. C'est de donner du travail aux jeunes. Ça, c'est la politique de l'emploi. Deuxième chose, c'est de réduire le coût des denrées de première nécessité du fait d'une inflation. Tout le monde les attend là-bas, n'est-ce pas? Ou bien on ne les attend pas? Ah oui, le coût de la vie, le chômage. Et enfin, la répartition de la richesse. Parce qu'il faut que la richesse soit également et équitablement répartie. Oui, parce que vous verrez, les ménages ont un problème de pouvoir d'achat. Bon, il y a
Une partie extrêmement importante qui peut vous intéresser aussi, c'est quoi? C'est la lutte contre les disparités régionales. Tiens, hein? Hein? Tiens, les disparités régionales, c'est quoi? Très bien. Les différents niveaux de développement entre les. Très bien. Il y a combien de régions au Sénégal? Hein? 14 régions. Quelle est la région la plus développée? Hein? Non, mais il ne faut pas hésiter, c'est Dakar. N'est-ce pas? La région la plus développée au Sénégal est à Dakar. Tout est à. Et quelles sont les cinq régions les plus pauvres du Sénégal? Il faut en même temps noter. Hein? Hein? Tamba, Kolda. Les gens se trompent souvent. Matam, c'est une région riche, hein, à cause des immigrés. Matam est une région riche. Hein? Il y a Tamba, Kolda. La région de Macky Sall, c'est quoi? Patrick, c'est paradoxal. Ensuite, Kaffrine, Issédou, voilà les cinq régions les plus pauvres du Sénégal. Récapitulez, Djibi, Tamba, Kolda, Kaffrine, Issédou et Fatick. Voilà les cinq régions les plus pauvres du Sénégal. Alors, quand on parle de disparité régionale, l'idéal, c'est que le niveau de développement de Dakar soit plus ou moins ressenti à Sédhiou, à Tamba et Kédougou. Donc, les régions les plus pauvres, c'est Tamba, Kédougou, n'est-ce pas? Tamba, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Fatick et Kaffrine. Bon, il faut y ajouter Kédougou. Donc, ça fait six régions. Hein? Kédougou, malgré l'existence de l'or, c'est une région très pauvre. Donc ça vous permet un peu de connaître un peu la géographie économique du Sénégal. Donc quand on parle de disparité régionale, il y a un très grand écart entre Dakar et ces six régions que je viens de vous donner. Très grand écart. Donc, l'économie politique doit s'intéresser à ces disparités régionales. Bon, quand vous faites de la décentralisation, quand vous faites du développement local, tièrement, votre rôle, c'est d'apprendre à développer un territoire, quelle que soit sa taille. Donc, comment? Je vous ai parlé d'une commune qui est bien développée au Sénégal, c'est laquelle? Là, c'est la commune de Sandiara. J'ai beaucoup parlé de Sandiara. Vous voyez, le maire est passé ministre. Il gère quel ministère? Le commerce et l'industrie. Ah, la commune la plus attrayante du Sénégal, c'est ça. Bon, je ne sais pas si on a la possibilité, on vous fera visiter Sandiara, parce que quand vous êtes dans une école pratique, ce qui est important, c'est de savoir faire quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être même j'ai un maire dans ma classe, peut-être. Ah, c'est certain. Ouais, c'est possible, quoi. Il faut. Donc, quand on parle de développement du territoire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, c'est pour non seulement lutter contre la pauvreté, mais limiter les disparités régionales. Tout est à Dakar, tout. Hein? Dakar est comme Paris, c'est vrai, hein? Il y a tout là-bas. Il y a des autoroutes à péage, en terre, n'importe quoi. Mais si vous visitez Dakar, hein, ça ne veut pas dire que le Sénégal est un pays développé. Parce qu'à l'intérieur du pays, il y a quand même quelques aberrations. D'ailleurs, quand vous allez à l'intérieur du pays, bon, sous Macky Sall, il y a des projets qui ont été lancés, des programmes comme le PUDC, Programme d'urgence de développement communautaire, et le PUMA,
en zone transfrontalière, tu vois, en zone transfrontalière. C'était pour justement travailler sur la disparité entre les régions, mais il y a toujours de très grands écarts. D'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que même il y a une très grand, il y a un très grand écart entre Dakar et Thiès. Nous sommes à Thiès, mais Thiès, il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a pas d'industrie, c'est ça. Hein? Le chômage est très élevé. Et Thiès est surchargé parce que beaucoup de gens quittent Dakar pour venir habiter à Thiès. Donc finalement, ça se répercute sur le coût du loyer. Le loyer est excessivement cher actuellement à Thiès. Donc Thiès, si on ne fait pas attention, ça peut être une ville bombe, c'est-à-dire une ville qui peut exploser. Et la pauvreté est là, n'est-ce pas, Dieu? Hein? La pauvreté, le chômage, d'ailleurs, il y a beaucoup de conducteurs de Jakarta à Thiès. Il a fait la remarque. Donc, c'est des signes de pauvreté. Et malheureusement, c'est ce qui conduit les Jakarta. C'est des jeunes qui n'ont même pas 30 ans. C'est catastrophique. Donc, vous voyez, l'économie, ça vous sert à ça. L'économie, ça vous donne des outils pour Anna. Analyser, ça vous donne des outils pour réfléchir. L'économie vous donne des outils pour pouvoir se positionner, okay, dans votre domaine, c'est-à-dire le développement des territoires. D'accord? Mais ce n'est pas de la théorie en fait. Ce n'est pas du tout de la théorie. Ça nous permet de faire des analyses. OK? Comment réduire les disparités régionales, par exemple. Bon, quand on parle de disparités régionales, il y a aussi l'écart entre le monde rural et le monde urbain. Ça aussi, il faut le noter. L'écart entre le monde rural et le monde urbain. L'écart est énorme parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver au Sénégal. Dans beaucoup de zones rurales, sans électricité, sans eau, sans système d'assainissement. Et même sur le plan éducatif, nous avons des, comment on l'appelle encore, des abris provisoires. Les revenus des ménages ruraux étant très faible. Vous voyez un peu? Donc, du point de vue économique, on peut se rendre compte que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes. Alors, votre rôle, c'est quoi? C'est de voir comment améliorer le niveau de vie des populations rurales, comment faire pour que les zones rurales disposent d'infrastructures. Et je dis souvent aux grandes conférences que moi je préfère les infrastructures agricoles aux infrastructures routières. D'accord? Ça, je le dis souvent dans les conférences. Je préfère qu'on ait des infrastructures productives avant d'avoir des infrastructures routières. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a faim ne se déplace pas. Hein? Quelqu'un qui a faim n'a pas besoin de ce. Et voilà, donc c'est un peu ça. Parce que regardez, quand vous voulez être de bons agents de développement, capables de faire des analyses, il n'y a pas de marqueur. Je vais vous donner le tétraèdre sur lequel nous fondons toutes nos analyses. Marie, je te nomme responsable de classe. Vous êtes d'accord? Hein? Hein? Est-ce que tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'objection. Binta, tu n'es pas contre. Hein? Donc, tu es le responsable de la classe, d'accord? Tiens, tu n'es pas contre. Tiens.
Même quand tu vas appeler, pense souvent à ce que tu travailles sur toi. Bon, ça y est, dans un petit ouvrage. OK? Tout mon raisonnement, je vous fais sur ça. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Je ne vous n'êtes pas d'accord. Hein? Le deuxième point, qu'est-ce que j'ai dit? Le soigner. Et là, s'abriter. Et enfin, voilà la clé de développement. Reprenez. On peut développer une communauté. Lorsque, ouais, lorsque, très bien, ces quatre paramètres. C'est ça. Se nourrir, l'être. Hein? Se soigner. Hein? S'abriter et s'éduquer. Point. Après le reste, ça va venir. Vous pouvez le couvrir. Donc, lorsqu'on veut développer une communauté, quelle que soit sa taille, ces quatre paramètres doivent être pris en compte dans le cadre de l'économie politique. Manger, se nourrir, se soigner, s'abriter et s'éduquer. Alors, vous avez vu un peu les politiques là, ils ont fait beaucoup de programmes. Bon, c'est bien les programmes, mais je pense que ça, c'est le point de départ. Le reste, ce n'est que des accessoires. Le reste, c'est des accessoires. Bon, voilà le tétraèdre sur lequel je fonde toutes mes réflexions en économie territoriale. On est d'accord? Parce que même quelqu'un qui produit, un agriculteur qui produit, c'est parce qu'on a réglé ces quatre problèmes tiers. Hein? S'il mange à sa faim, s'il peut se soigner quand il est malade, s'il a la possibilité de se loger, d'accéder à la connaissance, il peut produire. Mais souvent, les gens pensent qu'il faut inverser les choses. Ils pensent qu'il faut produire pour avoir ça. C'est faux. Le gouvernement actuel parle beaucoup de souveraineté, n'est-ce pas? Hein? Parle beaucoup de souveraineté, mais la souveraineté, à mon avis, passe par là. On arrive à nous nourrir correctement, à nous soigner correctement, à avoir un bon système éducatif. N'est-ce pas? Et puis, être bien logé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Hein? Chacun donne son point de vue. Je commence par M. Kant. Hein? Arguez-moi. L'alimentation vive, c'est le développement. C'est le développement. L'alimentation vive, c'est soit Correctement. l'engagement, c'est l'idée. OK. Tu es convaincu? Oui, Marie?
développer les besoins en santé, en logement, avec une bonne éducation. Vous êtes d'accord aussi? Binta? Très bien, n'accepte pas, elle la connaît. Elle va mourir dans l'ignorance. Et enfin, l'habitat est un droit humain. L'habitat est un droit humain. C'est-à-dire avoir un habitat décent, accéder à l'eau, à l'électricité, n'est-ce pas? À l'assainissement, latrine, toilette. Ça, c'est un droit. Aïssata? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Maintenant, tout le reste, ça va venir après. Tiens-nous. C'est ça. Il faut avoir un bon plateau, que les gens puissent se soigner normalement. Ensuite, que les gens accèdent à l'éducation, oui. Une bonne alimentation et un bon cadre de vie. Et ça, c'est le politicien, quoi. C'est le futur maire de Pire, quoi. Très bien. On parle bel et bien de plateau médical. On parle également de cadre de vie, habitat et cadre de vie. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez vu, bon, c'était pour nous amener à soutenir une ANA. Alors, bon, ouais, même les politiques pour définir leur programme, ils passent par là. Bon, prenons point par point. C'est comme un petit jeu, mes enfants, d'accord? Hein? Are you OK? Comme un petit jeu. Bon, nous allons analyser dans le contexte du Sénégal, point par point, pour faire un état des lieux. Prenons se nourrir de l'alimentation. Aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés? Oui. Hein? Les principales difficultés, oui. Quelles sont les principales difficultés qu'on a au Sénégal par rapport à l'alimentation? La production est faible. La production est faible. C'est bon, et quoi encore? Si vous notez en même temps, ça vous permet d'avoir une bonne capacité d'analyse. Comme ça, si vous ferez un jour de la politique, vous saurez comment faire. Parce que même les programmes des politiques, c'est comme de la littérature. Hein? C'est comme de l'alité. C'est comme ça qu'il faut procéder pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Dibi, la production est faible. Et quoi encore? Qu'est-ce qui fait que nous avons des difficultés pour bien nous nourrir? Très bien. Il y a le coût des denrées de première nécessité. Comment on appelle ça en économie? C'est l'inflation. L'inflation. Donc, il y a aussi l'inflation. Les denrées coûtent cher. La production est faible, les denrées coûtent cher. Et quoi encore? Hein? Vous n'êtes pas sénégalais? Très bien. Il y a une absence d'usine de transformation des matières premières. Merci. Il y a l'absence d'usine de transformation des matières premières. Et quoi encore?
Ça se voit, vous n'êtes pas. Et quoi encore? Est-ce que le Sénégal produit tout ce qu'on mange? Il y a les ex, les importations. Nous avons aussi les importations qui sont très élevées. Hein? Voyez un peu. Mais c'est bien de cerner aussi, un aspect. La production est faible. C'est la production agricole. Même quand vous allez dans le secteur de la pêche, bon, ce n'est pas normal de tout donner aux Européens avec les licences. Donc, vous avez compris un peu? Bon, maintenant, prenons s'éduquer. Quels sont les principaux problèmes qu'on a? Très bien. Manque d'infrastructures scolaires et éducatives. Voilà, il est bien dit, c'est bon. Donc, il y a un manque d'infrastructures scolaires. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des villages sans école ou bien des villages qui ont des abris provisoires. Des villages sans école ou des villages sans école ou bien des villages avec des abris provisoires. D'accord? Hein? Donc ça, c'est un problème. Et quoi encore? C'est ce qui enseigne. Est-ce que c'est suffisant? Voilà. Donc, un personnel enseignant est insuffisant. On n'a pas beaucoup de personnes capables d'enseigner. Et quoi encore? Et quand on prenait les infrastructures, aujourd'hui nous avons 14 régions, on pouvait avoir au moins 14 universités au Sénégal. Mais des universités bien pensées, des universités bien réfléchies, et aussi des universités qui sont construites, et que les universités ne fassent pas la même chose, qu'on recrute le plus d'enseignants-chercheurs, n'est-ce pas? Et qu'on travaille beaucoup pour l'excellence. Donc, en matière d'éducation, voyez les problèmes qu'on a. C'est bon? Maintenant, se soigner. Vous verrez la même chose que l'éducation. Il y a un manque d'infrastructures sanitaires. Le personnel médical manque. Très bien. Il y a pas assez de matériel. Donc, le plateau médical n'est pas adéquat. Ici, en termes de politique, on pouvait faire de sorte que chaque région ait un hôpital régional de référence avec beaucoup de spécialistes. Ça fait 14 hôpitaux régionaux, dignes de son nom. Faire de sorte que dans chaque chef-lieu de département, on ait un hôpital assez correct avec un personnel médical adéquat. Et que dans chaque arrondissement, on ait un centre de santé adéquat et que tous les chefs de commune puissent disposer de postes de santé de référence. Parce que dans les normes de l'OMS, donc, il y a un ratio qui est donné par rapport à la santé. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est quoi? C'est que les gens ne doivent pas faire 25 km pour avoir un poste de santé, un point de santé. Et si vous allez dans le Sénégal des profondeurs, il y en a qui font 20 km pour voir un personnel de santé. C'est très dur aussi chez les femmes, parce que faire 20 km à Charette pour aller accoucher, ça encourage les accouchements à demi. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça le sens de l'économie politique. Donc, ça, c'était pour vous donner un exemple sur les disparités régionales et l'écart entre le monde rural et le monde urbain. OK?
Donc, il faut que chaque branche de l'économie, que vous sachiez à peu près à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter comme plus-value et qu'est-ce qu'on étudie. Donc, je vous ai annoncé la microéconomie, la macroéconomie, l'économie domestique, l'économie d'entreprise, et enfin, l'économie politique. Bon, dans chaque aspect, je vais être très pratique parce que je ne forme pas des économistes, mais ce que je voudrais, c'est surtout vous initier au raisonnement économique. Ça va vous servir dans le cadre de votre activité. Par exemple, ce modèle, il est intéressant quand vous êtes en milieu rural. Donc, avant de produire, il faut que les gens mangent bien, il faut que les gens se soignent, accèdent à une bonne éducation, qu'elles puissent accéder à un habitat décent. Et quand on parle d'habitat décent, vous habitez quelque part, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a un dispositif d'assainissement, n'est-ce pas? Mais là, tout le reste, ça va venir, hein? Donc, par exemple, j'aurais mis d'abord des infrastructures sanitaires de base avant de penser aux autoroutes à péage ou bien aux terres. Comprenez un peu? Il faut toujours faire un raisonnement basé sur ce qu'on appelle de l'arbitrage. Alors, pour aujourd'hui, on va essayer de commencer l'économie domestique. L'économie domestique. On fera tous les trois pour vous donner l'essentiel. Et l'année prochaine, vous aurez un cours d'économie du développement. C'est ça votre spécialité. Donc, l'économie domestique. Alors, c'est la branche de l'économie qui étudie la consommation. C'est la branche de l'économie qui étudie la consommation. N'est-ce pas? C'est la branche de l'économie qui étudie la consommation. On l'a dit tout à l'heure, la consommation est la fonction économique principale des ménages. La consommation est la fonction économique principale des ménages. La consommation est la fonction économique principale des ménages. D'accord. Toutefois, pour consommer, les ménages doivent disposer de revenus. Toutefois, pour consommer, les ménages doivent disposer d'un revenu. Ce n'est pas possible de consommer si on n'a pas de revenu. En effet, le revenu est le moyen utilisé par les ménages. Le revenu est le moyen utilisé par les ménages pour satisfaire leurs besoins. Pour satisfaire leurs besoins présents et futurs. Pour satisfaire leurs besoins présents et futurs. Mais parce qu'on peut affecter un revenu pour la satisfaction d'un besoin dans le futur. D'accord? Alors, nous allons dans cette section
Donc, aborder le revenu, n'est-ce pas? Et la consommation. Mais vous verrez que quand on parle de consommation, on est obligé de cerner d'abord le besoin qui explique la consommation. Et puis, avec quoi satisfait-on la consommation? On ne peut pas satisfaire la consommation n'importe comment. Donc, avec quoi on va satisfaire les besoins? Donc, c'est important, n'est-ce pas? Bon, je n'ai le support, mais je veux simplement que vous suivez d'abord, parce que les supports, souvent, ça vous distrait. Bon, on va aller d'abord étudier ce qu'on appelle les revenus et consommation. Revenus et consommation. Donc, retenez que le revenu, c'est ce que dispose le ménage. Le revenu, c'est ce que dispose le ménage pour satisfaire ses besoins à travers la consommation. Le revenu, c'est ce que dispose le ménage. Le revenu, c'est ce que dispose le ménage pour satisfaire ses besoins. Pour le ménage, pour satisfaire ses besoins à travers la consommation. À travers la consommation. OK. Il s'agit bien sûr. Hein? De la consommation présente et future. Il s'agit bien sûr de la consommation présente et future. N'est-ce pas? Bon, quand on parle de consommation future, c'est l'épargne. Ben, on dit, à la limite, on dit Y égale C plus E. Y est égal à C plus E. Y, c'est le revenu. C, c'est quoi? C'est la consommation. Et E est égal à épargne. E est égal à épargne. Vous voyez, on dit Y est égal à C plus E. Y égale C plus E. Y égale C plus E. Y, c'est quoi, Dibi? Y, non. Y, c'est le revenu. C égale consommation et E égale. Donc le revenu est égal à consommation plus épargne. Allez, on va faire un peu de mathématiques. Si Y égale C, quelle est la valeur de E? Si Y égale C, quelle est la valeur de E? Et cette fois, tu dois trouver ça. Si Y égale C, quelle est la valeur de E? Hein? Tiens. Hein? Quelle est la valeur de Il E? Hein? On dit le. Si Y égale C, quelle est la valeur de E? Bintas? Hein? La valeur de E est nulle. E égale 0.
Donc, si Y est égal à C, hein? Parce que Y égale C plus E, n'est-ce pas? Si E égale 0, ça veut dire Y égale C. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand le revenu se limite à la consommation, le ménage ne peut pas épargner. Parce que l'épargne est un report de consommation pour le futur. C'est-à-dire quand vous voulez investir, il faut épargner. Mais donc, si le revenu est faible, il couvre la consommation, ou bien il peut même ne pas couvrir la consommation, l'épargne est nulle. Et quand l'épargne est nulle, il n'y a pas possibilité de faire des investissements dans le futur. C'est le problème des fonctionnaires. Tu as un salaire de 400 000. 400 000. Location, tu payes 200 000, il te reste combien? 200 000. 200 000, tu ne peux pas nourrir ta famille, payer la scolarité des élèves, l'électricité, l'eau et épargner. Ce n'est pas possible. Et la plupart des salariés n'ont pas une éducation financière. Donc, quand on vous donne une éducation financière, c'est le fait d'apprendre à vivre en fonction de ton revenu. Mais au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On vit sans tenir compte du revenu. Vous avez vu un peu? Hein? Mais ça, on vous l'explique parce que si vous apprenez ça veut dire que quand vous avez un revenu égal à tant d'unités monétaires, vous devez affecter une partie à la consommation. Et une partie doit être affectée à l'épargne. L'épargne, c'est comme un report de consommation. Mais quand vous n'épargnez pas, vous êtes pauvre. Vous n'allez jamais accéder à la propriété. Bon, je vous donne un exemple. Actuellement, les gens vivent souvent au-dessus de leurs moyens. Et ça pose beaucoup de problèmes. Ouais, sinon, on n'allait pas être. Donc, si Y est égal à C, E est nul. Mais la consommation et l'épargne dépendent de la possession d'un revenu. Donc, c'est le revenu qui est à la base de la consommation et de l'épargne. Ça, vous avez compris? Hein? D'ailleurs, on parle de budget familial. Quand on fait un budget familial, vous mettez emploi et ressources. Ressources, tu as un salaire de 400 000, mais quand on prend les emplois à droite, vous dites comment vous affectez l'argent aux dépenses. Mais il faut tout faire pour équilibrer votre budget familial pour qu'il y ait épargne. Surtout maintenant, c'est facile. Vous avez Orange Money, vous avez Web, vous pouvez vous-même garder votre épargne sans aller à la banque. Mais il faut être rigoureux. Par exemple, à la fin du mois, vous dites, bon, voilà, je dois payer mes études. Donc, au moment opportun, vous payez, vous n'allez pas attendre jusqu'au 30, avoir des arrières, n'est-ce pas? Vous dites, j'ai payé mes études. Tu dois acheter tel produit, tel produit, tel produit. Vous faites une ventilation de dépenses et la dernière dépense est égale à l'épargne. L'épargne, c'est pour faire face à des dépenses non prévisibles ou bien à faire des investissements. Quand vous voulez acheter un iPhone, vous devez épargner jusqu'à avoir le prix du iPhone. Mais vous n'allez pas encore prendre un crédit. Si vous prenez un crédit, si vous utilisez plus de 30% de votre revenu pour payer un crédit, vous allez être pauvre. Et ça, vous allez voir un fonctionnaire qui a 400 000 de salaire et qui utilise plus de 30% de son salaire pour payer un crédit. C'est pas bon. Le crédit ne doit pas prendre plus de 30% de votre revenu. Et dès que vous remboursez un crédit
ça fait plus de 30% de votre revenu, vous risquez d'avoir des problèmes et de vous appauvrir. Donc, c'est ça le raisonnement économique, n'est-ce pas? Alors, ça, je pense que si vous avez des questions, je peux. On va même vous donner une petite étude de cas pour permettre de comprendre un peu comment on utilise un revenu. D'accord? Un revenu, on ne l'utilise pas n'importe comment. Bon, vous allez même dans l'avenir aider vos maris à utiliser leur revenu. Voyez un peu? C'est-à-dire quand on veut investir, il faut toujours avoir ce qu'on appelle de l'épargne. Même un pays, regardez, aujourd'hui, l'État du Sénégal a des dettes qui s'élèvent à plus de 15, à plus de 15 000 milliards. 15 000 milliards. Vous comprenez? Hein? Aujourd'hui, vous avez plus de 15 000 milliards de dettes. Votre pays. Le budget du Sénégal, cette année, autour de 7 000 milliards. 7 000 milliards. Vous avez vu un peu? Hein? Donc, ça veut dire qu'on va payer nos dettes jusqu'à quand? Parce qu'on a fait trop d'investissements de prestige chez nous. Trop d'investissements de presse. Mais même l'État doit avoir ce qu'on appelle l'épargne nationale. Et c'est à partir de l'épargne nationale qu'on peut programmer des investissements. Il faut toujours mobiliser une épargne nationale pour faire des investissements. Donc voilà, tout doit être maîtrisé. Mais aujourd'hui, si vous pensez que ce sera facile, bon, je suis désolé, je suis économiste, hein, mais je suis de ceux qui pensent que ce sera extrêmement difficile. Donc 15 000 milliards de dettes, un budget qui est autour de 7 000 milliards, ouais, un peu. Et avec beaucoup de situations très difficiles. Et c'est sûr et certain que si on n'a pas assez de ressources, on va encore augmenter la dette. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas faire des investissements de prestige sur la base de crédit. C'est comme si, par exemple, j'emprunte 100 millions, je l'investis au niveau de l'école, immeuble plus 10 étages et autres. Mais non, l'investissement doit partir de l'épargne propre et du crédit. Mais s'il n'y a pas d'épargne propre, avec un taux élevé de crédit, bon, on peut faire des investissements de prestige, mais ça, ce n'est pas intéressant. Donc, tout est question de revenus. Delta Y égale C plus E. Y, c'est le. C, c'est là. Et E, c'est l'épargne. Donc, après, on va vous montrer comment faire un petit budget de famille. Ça va vous aider. D'accord? Alors, le revenu est donc à la base de la consommation. Le revenu est donc à la base de la consommation des ménages. Ça, tout le monde est d'accord? Le revenu est à la base de la consommation des ménages. Et on distingue plusieurs types de revenus. Et on distingue plusieurs types de. Et on distingue plusieurs types de revenus. Et on distingue plusieurs types de revenus, comme deux points. Selon vous, quels sont les types de revenus? Comme deux points. Quels sont les types de revenus? Quelqu'un qui travaille, on lui paye par mois. Ça, c'est quel revenu? Salaire. Mettez salaire. Donc, deux points, salaire. Le salaire est un revenu. Hein? Alors, un paysan qui vend son arachide, il vend son arachide après la récolte. Ça, c'est un salaire. C'est quel type de revenu? Hein? Revenu agricole. C'est revenu agricole. Et ces revenus agricoles sont faibles. Il faut savoir aussi faire l'analyse des revenus. La CMS.
Le CMS, vous prenez de l'argent, ça devient un revenu. C'est quel type de revenu? Vous, hein? On vous prête de l'argent, c'est quel type de revenu? C'est un emprunt. Donc, il y a des emprunts aussi. Quand vous empruntez de l'argent, cet argent devient un revenu, un emprunt. Alors, j'ai construit une maison que je mets en location. On me paye chaque mois. Ça, c'est quel type de revenu? Hein? Quel type de revenu? Rente, là, on a rente, les rentes. RENTES. C'est ça qu'on appelle les revenus de rente. Mais ici, j'ai une rente immobilière, quoi, parce que j'ai construit ma maison, c'est un investissement. L'argent payé mensuellement est un revenu. Oui. Oh. Fay wa ma ngi sal ni ma ngi classe ni suma génnee naa la woo ça va bi naa la dégg de dinaa la woo léegi dëkk bu doy waar mais naa la woo léegi donc ça c'est ce qu'on appelle les revenus de rente c'est même quand vous voulez avoir de l'argent vous avez un capital maintenant ce capital vous pouvez l'investir si vous construisez une maison la maison vous donne un revenu c'est une rente. D'accord. Hein? Il y a les dons. On peut vous donner de l'argent. Comme c'est le cas, vous dépendez de vos parents et mari. Donc le don est un revenu. D'accord? Le don. Excès, etc. Donc si vous allez sur Internet, pour approfondir, vous mettez les catégories de revenus. Ça vous permet déjà, parce que le point de départ en économie, c'est de connaître le sens du revenu et à quoi sert le revenu. D'accord? Parce que quand vous avez un revenu, c'est extrêmement important de comprendre sa source et comment l'utiliser. Beaucoup de gens, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas comment utiliser un revenu. Une société a un revenu. Par exemple, quand tu prends n'importe quelle société, la société a un revenu sur lequel il peut s'appuyer pour faire un budget. D'accord? La collectivité territoriale, une mairie, il y a les impôts et les taxes, a un revenu sur lequel il peut s'appuyer pour faire un budget. Et quand on fait un budget, c'est comme un arbitre d'arbitrage. Donc, il faut savoir comment investir l'argent. Donc, ça, c'est par rapport au revenu, n'est-ce pas? Donc, vous mettez vous mettez une notion de besoin. Notion de besoin. Notion de besoin. La consommation dépend de l'existence de besoins. Ça aussi, c'est important. La consommation dépend de l'existence de besoins. Donc, Binta, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de consommation. La consommation, donc, dépend de l'existence de besoins. On est ensemble, mademoiselle Dem? La consommation dépend de l'existence de besoins. D'accord? Donc, c'est le besoin qui explique la consommation. Et entre nous, consommation présente comme consommation future. Donc, quand vous voulez faire une consommation future, il faut épargner. Mais tant qu'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de consommation. N'est-ce pas? Donc, le besoin fait partie du fondement dans le raisonnement économique. OK. Alors, oui. Voilà. Donc, le besoin est un sentiment de privation.
manam kenn du soxla loo am. Le besoin est un sentiment de privation. Le besoin est un sentiment de privation. C'est-à-dire tu es privé de quelque chose, n'est-ce pas, Aïssata? Bon, tant que soxla. Le besoin est un sentiment de privation qui pousse l'individu à désirer d'une chose. Le besoin est un sentiment de privation qui pousse l'individu à désirer d'une chose. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas privé de ça, tu n'as pas besoin de ça. Donc, le besoin est un sentiment de privation, Jibi. Donc, le manque à mon compte. Mais qui te pousse à désirer d'une chose. Donc, moi, besoin. Madame Fioro, besoin, moi, nga dem ba yeg ni li yow amulo tax nga def ci sa xel bëgg mais bo ci defé sa xel bëgg ko rek do gis lu dul satisfaire vous comprenez à la ligne les besoins sont illimités ça je l'ai dit les besoins sont illimités les besoins sont illimités. Les besoins sont illimités, donc on ne peut pas tous les satisfaire. Bon, on prend une petite pause, n'est-ce pas? Hein? On va prendre une petite pause de 15 minutes. Ok, vous n'avez pas de besoin. Mona. Hein? Mona, avez-vous? Donc, Marie-Elle Sainte. Donc après, c'est une petite pause dans le temps.